Et le démon là qui joue avec la météo ou quoi? Vieux YouTube, bonsoir, bienvenue pour ce nouvel. Est-ce que ça va? Je pète le feu. Cool, parce que le bateau est presque prêt, on rentre chez nous. Je pars pas. Ouais, non. Je suis 40. Quoi? Très content. Mais de quoi est-ce que tu pars? J'ai trouvé ma place. C'est ici, sur cette île. Jason, t'es sérieux? Lisa. Je comprends rien à ce qui nous arrive. Pour la première fois, je sais exactement ce que je veux. J'ai pas l'intention de passer à côté. T'es enfin un homme, j'ai tellement attendu que ça arrive. Et maintenant tu me laisses tomber. Au revoir, Lisa. Lisa, laisse-le partir. Sniff. Un drama. Jason, vous n'avez pas donné beaucoup de nouvelles. Je pensais que vous alliez quitter l'île. Non, je reste là. Sans moi, cette opération russe nous a pété à la gueule. Je rejoins la Task Force 141, on décolle ce soir. C'était bien de bosser avec vous. Merci. Avant de partir, j'ai un service à vous demander. Aidez-moi à éliminer Hoyt. Ouais. Difficile. Autant essayer de trouver une nonne dans un bordel. Ceci dit, vous pouvez toujours essayer. J'avais infiltré un agent, il est encore en vie. Enfin, je crois. Vous pouvez m'aider à y aller? Survol l'île de Hoyt en rentrant vers la Russie, je peux vous déposer. Je vous envoie les coordonnées. Parfait, j'y serai. Cool. L'avion décolle dans quelques minutes. Avec ou sans vous? Ouais, bah j'arrive. Ouais, bah j'arrive, hein. Là, je... C'est pas plus vite, hein. Les cocos lui ont bousillé les ailes, il faut que je répare ça. Oups, j'ai oublié de chercher le pain. Jason, montez. Merci, t'as un parachute. Vous allez en Russie avec ce coucou? Vous voulez rire? Change d'avion à Singapour. Vous saviez qu'il est illégal de mâcher ou d'acheter du chewing-gum à Singapour? C'est pourtant l'ADN de l'Amérique, le chewing-gum. C'est carrément comme une déclaration de guerre à l'oncle Sam. On va peut-être vous montrer. Merci. Il lui a gueulé merci alors qu'il était devant. C'est comme si vous étiez là. Merci. Ça sert à rien, c'est débile. Montez, je vous dis. Oui, bah t'as un parachute quand même. Parce que si tu me pousses, c'est chiant. Oh, oui, avant que j'oublie. Trop près. Mon ami Sam est implanté chez Hoyt et ses hommes, à Thurston. Si vous sifflez l'hymne américain en traînant au Crazy Cock Bar, il saura que je vous envoie. J'ai donné ma vie entière à l'agence. J'ai fait mon lot de magouilles, mais ça va me rapporter gros. Eh oui! Je vais bientôt sortir de ce coup! C'est là que je vous drop! Il vous reste qu'à vous envoler! Vous êtes sûr qu'il fonctionne, ce wingsuit? Non, non, petit! Bras et jambes tendues, et ça ira tout seul! Bonne chance pour la Russie! Un patriote reste un patriote! Ha ha! Ouais, ouais, incroyable. Hein. Incroyable, hein. Allez, arrêtons les conneries. Oh. Marque dans la bouche. À table, mon ami. Pas touche à mon ami le tigre. Je dis pas touche. Et hop. Euro Truck Simulator. Salut. T'es un gilet, ta gueule. Salut. Salut. Hier? Ouais. Je cherche un ami. Un type qui s'appelle Sam.
connais qu'un seul Sam. Il y a souvent des parties de poker dans l'arrière-salle, entre les hommes de Hoyt. Vous feriez peut-être bien de vous y faire inviter. Où est-ce que tu vas ? Jouer au poker, ça pose un problème ? Tu perds ton temps si tu peux pas payer ta place. Ça ira ? C'est bon. Allez, entre. Vilcommen à la table, le nouveau. Assieds-toi. Merci. Pas avec cette main. Suivi pour moi. Suivi pour moi. Coucher. C'est lui, Sam. Bon, cette partie m'emmerde. Terminé pour ce soir. Quoi, déjà ? Tu veux que je continue à jouer, Carl ? On devrait monter les enjeux, alors ? Non, non, Sam. Je dis ça comme ça. Good. Toi, je te suis. Moi aussi, j'arrête. Toi, je te suis. On ne rembourse pas. Oula, du calme. Tiens, garde-le, ton champ de merde. Tu pourras prendre ton caddie la prochaine fois. Pour qui est-ce que tu travailles ? Oh, doucement. Willis, m'envoie. Et comment il va ? Je me fais un sang d'encre pour ce type. Il y a des années que j'ai aucune nouvelle. Il va bien, enfin, je crois. Lors, Lors. Ok, ok, je te suis. Il s'en bat les couilles, il se barre. Viens ici ! Où est-il parti ? Salut. T'as besoin d'aide ? Mais ici, il n'y a que des criminels. Ils se rendent pas compte. Cette racaille gobe n'importe quoi. Tout le monde croit que je suis un dur juste parce que je viens d'Allemagne. J'ai même eu une promotion à cause de mon accent. Assieds-toi. Alors, quelle est la mission ? Je dois tuer Hoyt. Scheiße. Mais attends. Tu es ce Jason Brody, hein ? C'est toi qui as tué Vass. Ouais. Mais t'aurais dû le dire plus tôt. Il faut qu'on te planque. Hoyt, il fera tout pour réussir à te coincer. Ça va être compliqué. Le problème, c'est que tu es victime de ton succès, ya hein? Les autochtones se rebellent contre Hoyt, alors il a augmenté la sécurité. On doit saboter toute son organisation, sinon le tuer ne servira à rien. Je me doute. Cela dit, Hoyt ne sait pas à quoi tu ressembles. Il n'a entendu parler que de ça. Hmm. À quoi tu penses ? Nein, 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 nein. Odoria. Oui, c'est ça. Tu dois te faire engager dans sa milice. Non, ne dis rien, écoute-moi. Nous allons opérer ensemble tous les deux. Il va falloir que tu t'infiltres. Mais pour commencer, c'est l'habit qui traîne. Comment ça ? On va voler un uniforme. Je sais que les nouvelles recrues sont prises en charge sur les quais pour leur incorporation. Tu vas en trouver une, prendre son uniforme et tous ses effets personnels. Et tu te débarrasses du corps. Quand c'est fait, tu me contactes sur cette fréquence. Allô ? Jason. Chut. Tu as réussi à atteindre l'île de Hoyt ? Ouais. Tu te rapproches du bout de la voie. Citra est convaincu que tu vas devenir le guerrier le plus puissant de la tribu.
le tatouage sera complet. Oui. Si tu survis. T'en fais pas pour moi. Je le savais, Jason. Pour atteindre le centre du monde, tu dois tout oublier de ta vie passée. Seul Citra et la voix doivent compter. Je sais ce que je fais. Bonne chance. Merci. Tac, 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 tac. Et tac. Ils sont vraiment débiles, hein, par contre. Ah, un caillou. Désolé, frérot. T'es clairement pas là au bon moment. Les manches couvrent les tatouages. Magnifique. Sam, je suis prêt. Apparemment, le type s'appelait Foster. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Comme Foster. Souviens-toi. Sois crédule. Il faut que tu croies à tes mensonges pour que ça marche. D'accord. Bon allez, Hoyt vient faire l'inspection des nouvelles troupes. Je veux voir tout le monde en rang pour la revue. Préparez-vous. C'est bon. Je passe bien. Suivant. Allez, on avance. Ok. Bonjour. Allez, allez, en avant. Je suis crédule. Foster. Ok. C'est bon. Suivant. C'est bon, Fosseur. Non, crédule. T'as envie de te faire du blé? Pourquoi tu crois que je suis là? Un lieutenant du coin qui s'appelle Vaz vient de se faire descendre. Et il y a un territoire à piller. Ces gars se font des couilles en or. Alors pourquoi pas nous? Et Hoyt là-dedans? Hoyt a d'autres soucis. Pour l'instant, il n'y a qu'à se servir. Mais ça durera pas. Alors autant se bouger le cul, non? Je veux, oui. Moi, il n'y a pas de dinosaures sur cette île. Ok. Va écouter le speech. Eh. Hey. Si tu parles à qui que ce soit de notre conversation, t'es mort, c'est clair? D'accord. Mais n'oublie pas, mon nom, c'est Crédule. Il est dans la cage, ah, oui, tout quoi. Mes très chères et innocentes nouvelles recrues. Je ne vais pas vous mentir, nous sommes tous ici pour l'argent. Mais c'est pour le bonheur de mes hommes que je me lève chaque matin. Ouais. Mon père, payé à son âme, était chercheur de diamants. Il se levait à l'aube tous les matins, fumait sa cigarette, et ensuite il descendait sous terre. Pour cet homme admirable, l'entreprise était tout ce qui compte. Je vous le même respect à notre modeste entreprise. Et je n'attends rien de moins de votre part. Alors, il n'y a que trois règles que vous devez suivre impérativement. Primo, protégez ma marchandise. Vous pouvez en profiter, mais en douceur. Deuxio, tirez à vue sur les autochtones. Et enfin, tous les profits me reviennent. Je suis un chef compréhensif. Et si vous manquez à une seule de ces règles... Oups. Je vous fais rôtir comme du vulgaire poulet jusqu'à ce que votre peau soit croustillante. Bon, assez parlé. C'est sauvage. Veulent détruire l'œuvre de ma vie, ma plus grande fierté. Montrez-leur qu'on ne plaisante pas. Aussi fou que Vas. J'allais oublier. On a une prime spéciale ce mois-ci. Une île rien qu'à vous. Pour la tête de Jason Brody. Ouais. Au revoir. Mon nom c'était Crédule.
maintenant, les miliciens ne te remarqueront plus. Mais évite de te faire voir en faisant un truc suspect. Tuer, étrangler, saboter, ils apprécient pas trop. Bluff-les, Jason. J'ai une piste avec un des miliciens. Un groupe de traite veut tenter de voler Hoyt. Je me dis que si je les tue, Hoyt me fera confiance. Ah oui, l'approche indirecte. Bonne idée. Mmh. On aurait pu tuer Jason Brody aussi. Mais ça aurait été gênant, n'est-ce pas? J'ai un peu surveillé les traîtres de l'intérieur. Cool. Ils ont trois capitaines. Et il est possible que l'un des trois possède une liste de tous leurs membres. Tue-les, récupère la liste. Et je ferai en sorte que Hoyt sache quel bon soldat tu es. Cool. Ils sont basés où? Dans un ancien temple. Je t'envoie les coordonnées. Merci. Allez. C'est méga. Il faut trouver cette liste. Je vais m'occuper des capitaines. Ok. Ah bah comme ça. Il a rien. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Il a rien. Alors. Pas la liste, mais c'est quoi? Une note? Sam, j'ai nettoyé le temple. J'ai eu les trois cibles, mais j'ai rien trouvé. La liste nous échappe. C'est embarrassant. Yeah. Ouais, je suis tombé sur une note. Il y a un rendez-vous dans quelques jours. Apparemment, c'est important. Il y aura la liste à ce rendez-vous. Ah bah oui, évidemment. Me voilà rassuré. En attendant, j'ai un petit travail à faire pour Roy. Ok, cool. Il sort. Tu peux m'accompagner? Allez, sûr. Wunderbar, rejoins-moi sur les plantations de Hoyt. On a un petit conflit à désamorcer. Allez. Parachute. Je tourne autour de la tour, lol. Je suis vraiment en train de tourner tout autour. Ah, j'ai le pire des boulets. Allez. Sur le toit, toi. Prends l'échelle et monte sur le toit. Ah ah. T'attends que ça s'arrête de fermer, c'est ça? Ouais, bah ouais, je comprends. Et tu vois, comme t'es un PNJ, t'es con. T'aurais fait le tour, on aurait été plus vite. Ouais, ouais. T'as une façon de courir vraiment très. Ah, efféminé, ça serait insulter les femmes en fait. C'est. Je sais pas si c'est les Allemands qui courent comme ça, mais bon. Commencez à m'exaspérer là, hein. Wunderbar. Je dirais à Hoyt que tu travailles avec moi, ça le mettra en confiance, ya. Yeah. Il me faut quand même la liste. Ya, yeah, je n'ai pas oublié. Je crois savoir où elle pourrait bien être. Près d'une colonie minière désaffectée du canyon. Cool. Cette fois, elle m'échappera pas. Mais n'oublie pas de prendre des photos des traîtres. Allez, voilà. J'appuie sur F au lieu de C. Ça y est, j'y suis. Faut que je prenne des photos des leaders.
Mais je peux être vu quand même ou pas? Salut. Salut. Tiens, voilà un bon poste d'observation. La liste des prêtres. Faut que je mette la main dessus. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que je trouve un moyen de faire sauter le camion. Encore eu de la chance. Alors. Non mais d'accord. J'ai compris ce que ça voulait dire. Non, ok, carrément. Pas de soucis. Pas de soucis. J'ai réussi. J'ai la liste des membres. Écoute, je vais prévenir Hoyt. Il va vouloir te rencontrer. Il faudra que Foster se présente aux portes de son QG. Cool. Allez, je vois. Il y a trop de trous dans cette antenne, je vois rien. Oh non, je... 100% c'est lui. Oh la con, c'est mort. Pas mal le QG de Hoyt, hein. Pas mal. Salut. Jason, comment se passe la mission contre Hoyt? Je suis plus fort que jamais. Dites à Citra que Hoyt mourra bientôt. Oh, sois tranquille. Je demeure chaque instant à ses côtés. Maintenant, il va falloir être très habile. Tu n'as droit qu'à un seul essai. Allez, viens. Voici Foster. Ah, merci Sam. Tu peux aller prendre ta pause. Toi, assis. Ouais, monsieur. Vois la liste des traîtres avec leurs photos. Tenez. Bien joué, fiston. Tiens, je te propose de fêter ça avec un koiba. Ça fait très fort, je dois dire. Je ne fume pas. Quoi, t'as la trouille d'attraper le cancer? C'est des conneries. Je t'assure que c'est pas ça qui tuera. Tiens, monsieur. Tu vous le dis. Alors, je vois que tu voudrais faire partie de mes hommes de confiance. Ma force, c'est de connaître l'âme humaine. Et toi, tu es volage. Tu vas de job en job sans jamais t'impliquer. J'ai pas encore trouvé le bon. Hein? Ouais. Tu sais quel est le secret du bonheur des employés? Tu vas me le dire? Moi, mes passe-temps, cuisine, peinture, cinéma, cristal met. Et toi, les tiens? J'aime bien chasser. Moi aussi, j'aime la chasse. C'est la plus noble des passions. Bien sûr, je chasse du vrai gibier. Tu sais que les esclaves se vendent et s'achètent au marché de Rio, de Hong Kong, de New York. On est une multinationale. D'accord. La globalisation, c'est l'avenir. Le seul horizon indépassable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tiens, les Américains, par exemple. Ah, c'est connard. Ils inscrivent 1, 2, 3 sur une lentille de contact. Donc, comme ça, quand je la mets dans mon œil, je sais toujours si elle est à l'endroit. Alors, pourquoi 1, 2, 3 et pas ABC? Pour pouvoir l'exporter aux quatre coins du globe, y compris ici. Et devine ce qui se passe quand je porte cette lentille. Vous ne voyez pas le 1, 2, 3? Ça me trouve le cul et c'est peu dire. C'est de progrès qu'il s'agit. De civilisation. Mais il y a des gens pour qui tout ça n'a aucun sens. Vois le bateau qui est là? Je l'ai pris en otage avec son équipage pour la rançon.
et son armateur refusent de négocier hors des eaux territoriales. Bah. Je préfère les enregistrements européens. Les Américains ont toujours des sections de cuivre bien trop pompeuses à mon goût. La recette du succès est claire et nette. Je vends des esclaves d'absolument toutes les origines possibles. Ce qui fait que, comme les lentilles de contact, ma marchandise est universelle. Un génie. Bon. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. D'accord. Comme quoi? J'ai un prisonnier au sous-sol. Je veux que tu lui fasses cracher qui il est et qui peut payer pour lui. Donc, tu vas le tabasser jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il y aura Sam pour t'aider. Pas de problème. Très bien. Je vais me régaler avec la surveillance vidéo. Il est si rare que je puisse voir d'autres professionnels à l'œuvre. Allez. Hé. Ne me déçois pas. Non. Par ici. Ça va finir comment? Si tu le fais, Ruth te fera confiance. Crois à tes mensonges. Et n'oublie pas, tu passes à la télé. Alors souris un peu. Voilà le prisonnier à interroger. Ah. C'est chiant. Merde, Riley. Ta gueule. T'es qui? C'est quoi ton nom? Quoi? Ton nom! Ah, Riley Brody! Ah, mein Gott! Qui t'a amené sur cette île? Mon frère. Où est Jason maintenant? Je sais rien. Qui est-ce qui te croit mort? Pour qui tu travailles? C'est moi qui pose les questions! Où sont les personnes qu'il a libérées? Merde, j'en sais rien, je veux juste sortir d'ici. La caméra, elle va rester coincée en boucle pendant 38 secondes. Ouais. Merde, Jason? T'es vivant. C'est quoi ce bordel? T'es avec eux? Non, je vais te sortir d'ici. Ouais, ok. Et où est Grant? Pas ici, mais je suis là, moi. 26 secondes! Bon, on dégage, tout de suite! Nine! Si tu fais ça, autant le descendre toi-même. Il faut saboter le réseau et tuer Hoyt. Pas de problème. Toi et moi, on occupe les gardes et Riley fout le camp. Nine! Il sortira jamais vivant du building. Écoute-le, s'il te plaît. Je m'en sortirai jamais. 9 secondes. Tu dois lui faire mal ou Hoyt saura. Quoi? 5 secondes. Écoute, fais-le. Ok, ça va aller. Mais bon sang, promets-moi de revenir pour moi, ok? Fallait parler. Au bout d'un moment, voilà, c'est... Faut parler, au bout d'un moment c'est chiant. Par contre le doigt qui clip dans le t-shirt, c'est nul à chier, vraiment. On voit que c'est... ça pue, c'est mort, vraiment. Qu'est-ce que je suis devenu? Ça suffit, laisse-le. T'es le meilleur joueur de poker que j'ai jamais rencontré. J'ai besoin d'un verre. Merci, moi aussi. Hey, tu as eu son nom qui est terrible. Ouais, tu m'as l'air doué dans ce genre de travail. Toi, je sens que t'as du potentiel. Écoute, je veux que tu viennes jouer au poker avec moi. Sam, toi aussi t'es invité. On causera business. Quand vous voulez. Pas de soucis. Je suis à votre disposition. Oh, magnifique. C'est le bon vieux Sam qui te donnera la date. Soirée poker. Ouais. Grand malade. Je veux qu'il crève. J'ai pensé à un plan. Je t'écoute, Aya. D'abord,
On sabote le réseau de communication de Hoyt. Ensuite, on dynamite le dépôt du carburant. Le chaos que ça va semer nous donnera le temps de le descendre pendant la partie et de sauver Riley. That's it good, yeah. Ouais, yeah. Parfait. Yeah. Rejoins-moi au dépôt quand t'auras mis les communications hors service. Enfin, Hoyt et ses hommes seront sourds et muets. Ah, perfect. On peut retomber ici. Ouais, ah. Bissop, vous êtes des génies. Je retourne. Sur ce VOD YouTube, pardon, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans une semaine tout pile pour la suite de l'histoire de Far Cry 3. Bisous, c'était Lanou. Ciao!